Marc, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre analyse de la situation actuelle des marchés financiers ? Paradoxalement, même s'il y a beaucoup de pessimisme, moi je suis un petit peu moins inquiet. D'abord, on a déjà baissé de 20%, c'est mieux qu'avant. Et ensuite, quand on écoute les entreprises en ce moment, elles ne nous confortent pas d'un discours noir. J'étais à un séminaire Exane la semaine dernière, tout secteur confondu, les entreprises sont confiantes. Voilà, on a beaucoup baissé, les entreprises vont bien. Certes, on va avoir encore quelques mauvaises nouvelles macro et micro, mais j'ai l'impression que l'essentiel est fait. Il y a certaines boîtes déjà de qualité qui commencent à être des prix vraiment attrayants, je trouve. Très bien. Et quels sont vos projets, du coup, pour le futur et du coup pour l'année 2022 ? Alors pour 2022, même si nous restons essentiellement des gérants européens, c'est vrai qu'on a su prendre le virage depuis 3 ans des produits globaux, thématiques. Et franchement, on va creuser le sillon. C'est ça que la clientèle a envie d'acheter en ce moment, notamment notre fonds sur le changement climatique. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous.